Bon, ben bonjour tout le monde. Bienvenue à une nouvelle série de mes parties en ligne sur Mario Kart 8. Bon, ça va toujours pas de mieux en mieux vu que mes statistiques baissent encore dû à quelques complications en cause dû à la malchance. Puis aussi, genre, il y a certains joueurs qui s'amusent à me foncer dedans avec leurs items. Ok, puis il y en avait un qui était pas mal tannant, qui s'appelait Gay Gamer. Oui, Gay Gamer. Un Brésilien, oui. Puis lui, je sais pas, il s'en prenait tout le temps à moi. Puis dommage que j'ai pu la course avant celui-ci. Parce que, genre, il est arrivé tout juste après que j'ai gagné ici. C'est grâce à un 8 qui m'a fait faire tout un gros rattrapage pour aller pour la rattraper à la première place. Puis un éclair est arrivé au même moment. Mais ouais, il y a eu quelques courses chanceuses, puis il faut que je vous montre un bon duel ici, là. Mais bon, ça va être plus tard. Mais j'aimerais vous montrer ce qui s'est passé, parce que là, maintenant, mes défaites sont rendues à moins 700. Moins 700. 700 à moins 700 piles, si vous voulez, je vais vous montrer dans l'immédiat. Les statistiques, regardez. C'est plus rendu moins 650, c'est rendu pile à 700. Comme vous voyez, regardez, j'ai 700 défaites de plus que mes victoires. Et mon objectif ne pourra jamais être atteint si les joueurs n'arrêtent pas de toujours s'en prendre à moi. Et ça, là, c'est quelque chose qui est pas mal fatigant. Puis que j'aimerais ça que les gens me mettent de l'ordre à bonne place au lieu de tout le temps me faire chier en me fonçant dedans soit avec leurs items. Puis surtout au dernier tour. Puis nécrosement. On peut bien comprendre que c'est le nom d'un Pokémon légendaire de la 7e génération. Bon, ok, lui, joueur de moto, puis il est canadien, il est à Alberta. Puis lui, le coup chien qui m'a fait demander sur le désert Yoshi, enfin, en fait, le désert, ouais, c'est ça, désert 667, pardon, de la version GameCube. Ok, ça va me forcer avec une carapace rouge alors que, genre, je suis sans défense. T'sais, il aurait bien pu, genre, me doubler de côté, puis essayer de gagner une place de plus au lieu de me foncer dedans pour que je finisse parmi les derniers. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment ça, là, que vous arrêtez, là. Je sais pas pour quelqu'un que vous avez tous contre moi. Puis après ça, il y a même un compatriote canadien qui m'a fait le coup. Imaginez-vous donc, ben oui. Un compatriote canadien me fait le coup de la carapace rouge qui se protège, il me fonce dedans avec en fin de partie alors que j'ai rien. Puis que lui, il a une vitesse plus grande que moi vu que je suis Yoshi, l'autre il est Mountain. Mountain, c'est le joueur, le personnage le plus utilisé. Tu sais, avouez, là, tu sais, là, vous avez pas d'allure, là, de me faire ça, ça vous dérange pas, je finis derrière vous autres, c'est quoi ça vous dérange? Puis en plus, je me demande s'il a fait carrément exprès de glisser sa banane. Dans cette séquence-ci. Ok. Justement pour que je me fasse atteindre par sa carapace. Moi, je viens toujours de lancer ma carapace en avant. Pour essayer de gagner une autre place de plus. Mais pourquoi il s'en vient me faire chier? Pareil, moi, je l'ai vu, sa carapace. Sa carapace à vie. Mais c'est juste qu'il a glissé sa balance. Je suis quasiment sûr qu'il a fait exprès. Juste pour me le lancer à moi. Mais sérieux, là. T'aurais bien pu, genre, passer à côté. Tu gagnais, t'es pas obligé de me faire chier de même. Moi, déjà là, tout le monde me saute dessus à chaque fois que vous me voyez. Écoutez, j'avais assez peur de prendre des risques. Et que vous. Et vous faites juste vous protéger et vous foncez dedans. Mais si vous manquez votre coup, ben, c'est toujours le même joueur qui est en avant qui gagne comme player. En japonais. Mais tiens, je vais vous montrer une séquence ici d'un japonais qui a bien réussi. Puis qu'il a tenté sa chance, puis c'est rare de voir ça. C'est le 3 ici. À 22 448. Mais attendez, on va reprendre la séquence parce que là, l'autre a triché. Regarde, vous voyez, il a bien lancé ça, là. Il serait supposé. Déjà, sa vitesse devrait déjà être au ralenti, mais regardez, il garde sa vitesse normale.
c'est pas normal qu'après que Player ne soit pas arrêté de retenir, parce que c'est ça que c'est qui devrait arriver normalement. Il devrait être déjà parmi en dernière place. Mais ça fait souvent ça pour ce joueur-là, puis demande comment il fait. Parce que c'est pas dans l'ordre normal des choses. Là, il n'a pas été chanceux là. Qui a rien servi. Lui, il fallait juste se protéger. Mais j'ai jamais eu la chance de pouvoir l'atteindre. Quand on avait la chance, c'est qu'il était pas premier. J'en profitais parce qu'il gagnait tout le temps. Puis il y avait quasiment personne qui faisait rien pour contre lui. Puis il me manque ce qu'il faisait de Gamery Gay en avant. Galot a essayé dans cette avant. Avez-vous vu la séquence? Carapace verte en arrière. Il me manque combien de temps qu'il a gardé sa carapace verte. Tu fais rien contre le joueur en avant, t'as absolument rien. Aucune réaction. Là, lui, il a un champignon. Là, il rattrape l'autre joueur qui dérape. Sans ça, pour ça, il a une plante de piranha. Il est très chanceux, le joueur player. Au moins, lui, il a bien réussi. On va motiver Fessayant, on va aller voir le Gay Gamer BI, qu'est-ce qu'il a fait avec son truc à la page verte. Moi, je n'ai pas regardé ça trop longtemps, je vais voir quand est-ce qu'il est là. Moi, j'ai eu la malchance de poigner sa plante. Ça me fait vraiment chier. Que vous voyez, j'ai toujours la malchance. Et c'est protégé un petit peu trop vite. Ah, il a obtenu à peu près ici. Oh, l'autre attaque en avant. C'est ça, trop tard. Là, t'as été un peu lent là-dessus, je pense. Là, à partir d'ici, t'aurais dû t'essayer contre ce joueur-là. Pourquoi tu t'en vas tirer en arrière? Là, t'aurais dû essayer contre Player. Il était pas si loin que ça, là. Là, tu t'en vas tirer sur le joueur de Waluigi. Qui a bien anticipé tes coups. C'est pour ça que je me dis, ok, bien souvent, vous manquez votre shot. C'est-à-dire, vous laissez carrément le joueur en avant. Prendre de l'avance. C'est pas brillant non plus, là. C'est bien beau qu'on soit une deuxième place, mais t'as quand même perdu au bout de la ligne. L'autre a réussi à rattraper toi, puis il a rattrapé l'autre. Ouais, il a bien joué ce joueur-là. Bon, ici, on va aller voir le joueur, comme que je vous disais, le joueur Nick. Oh, excusez-moi, c'est Nick Rosard. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit là, mais en tout cas, je me suis trompé de nom encore. Nick Rosard. Tu sais, je suis quasiment sûr qu'il a fait exprès de glisser sa banane pour avoir besoin de lancer sa carapace rouge, mais là, je l'avais déjà lancé contre un autre joueur en avant. Quoi? Je sais pas. M'excuser. Bon, reprenons. C'est ça, j'avais freiné parce que le Nécrozard, il y avait une carapace rouge après que j'allais lancer ça sur un autre joueur en avant. Mais vu qu'il a vu le jeu, tu sais, pourquoi que ça va carrément glisser sa banane exprès juste pour me lancer sa carapace rouge? Pourquoi ça s'est arrivé? Je t'aurais même pas oublié de toute façon. Tu sais, c'est vrai, tu m'as fait deux fois ce chien-là avec une carapace rouge. Pourquoi tu me fais ça? À quoi ça peut m'être servi là?
Écoute, là. Tu me dépasses, c'est beau. Vas-y. Pas de l'avant. Tu sais, puis toujours moi qui est toujours pogné après ça. À être atteint par mon système. Et vous faites carrément exprès en fin de partie pour faire ça. Il n'y a pas besoin de vous demander une question de ma chance, il y a une question genre que vous. Vous faites la route dans des moments classiques comme ça. Vous m'en demandez tout le temps à moi. Et ici, je suis chanceux de pas tomber dans le vide. Ça marche pour l'autre, voilà, c'est vrai. L'autre genre aussi, c'est les croisants qui est en arrière. Ok, là j'en profite. Là je vois qu'ici, qu'il y a une carapace rouge de là, il faut que je... Je vais essayer de freiner, mais il s'en va carrément glisser sa banane. On jurait qu'il a fait exprès on jurait qu'il a fait exprès pour lancer sa carapace rouge juste moi. Vous allez le voir. En fait, non, c'est pas lui qui l'a fait, c'est Ivy, c'est plus vite. Les croiseurs, c'était lui qui était en avant en deuxième place. C'est l'autre joueur de Mountain qui a fait ça. Mais pourquoi t'as fait ça? Quand, à quoi c'était réservé? Pourquoi, tu sais, on jouait que t'as fait exprès. Tu sais, il me semble que t'aurais pu te protéger contre le Carapazo qui était en arrière, il me semble. Ça serait un peu plus logique comme ça. Je vais me lancer ça de même, inutilement. Écoute, t'avais l'avantage là, t'avais pas besoin de faire ça là, faire exprès. T'aurais pu gagner la troisième place là. Ben, j'aurais dit ouais, c'est ça, la troisième place. Ça me tirait encore des carapaces rouges dessus, je sais pas que vous avez tous contre moi là. Je sais pas ce que vous avez, mais s'il vous plaît, arrêtez. Je veux pas cesser de le dire à tout le monde. Écoutez, moi, je trouve que c'est de l'abus, là, tout le temps s'en prendre à moi de même, là. T'as pas d'allure. Puis, blâmez-moi pas parce que ma statistique est basse, ok? C'est pas moi à blâmer, ce sont les autres joueurs qui font carrément exprès de tout le temps me viser. Tout le temps. À chaque fois que j'ai pas d'item. Chaque fois, by the way. Moi, je vis des joueurs qui ont pas d'item parfois, mais c'est pas tout le temps la même personne. Des fois, ça peut donner sa même personne, mais c'est pas tout le temps la même personne. Tout le temps, mais tu fais pour me barrer de moi, c'est genre, t'attends au dernier tour avant la ligne d'arrivée. Non, mais écoutez, là, ayez un peu de respect, s'il vous plaît. Là, ici, c'est le joueur GamerGeek, carrément, là, qui abuse carrément, là. Ok? Ça, il a abusé pendant deux courses de suite, là. Hein, il est toujours en train de me coller, il est en train de me coller dessus aussi sur le circuit de Yoshi. Bon, voyons voir ici, la reprise. Là, vous voyez que lui, il se protège avec une banane. Moi, j'ai rien. Et il va carrément me foncer dedans comme un fou. Puis après ça, il va essayer de me foncer dedans avec son étoile, mais je l'aurais évité avant. Juste à temps. C'est vrai, ça y est, il est toujours collé après moi. Ce gars-là. Regardez les items que je tiens, c'est un des champignons. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis en danger pour vous autres. Oui, il est chanceux comme vous voyez. Moi, j'ai tout le champignon, mais il y a toujours un joueur en arrière qui est chanceux. Donc, je peux rien y faire. Quand je vais être chanceux, à mon tour, je peux pas le l'être. Comme vous voyez, il a été sur les poids puis j'ai les vite juste là. Je
Sauf que Taya, il a genre triple carapace rouge, mais regardez ce qu'il fait. Il veut conserver sa deuxième place. Puis ben, il a obtenu ça à la fin du second tour, puis, puis il laisse le joueur en avant à l'air libre. C'est ça que moi, je comprends pas parfois vos jeux. Là. Vos jeux, là, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Je peux pas comprendre. Ça n'empêchera personne de pouvoir vous rattraper. Là, c'est encore le gamin encore qui lance sa carapace rouge dessus. Donc, comme vous voyez, là, le joueur play, il fait rien. Il fait juste conserver sa deuxième place. Puis moi, je trouve ça dommage que vous faites ça. Parce que vous vous privez de la première place. Pour ça, vous en foutez carrément. Puis moi, je suis déçu que personne n'ait essayé d'aller en avant vers lui au bon moment. Ou bien, il a essayé d'avoir un autre système. Mais là, moi, le triple champion, j'étais un peu poigné dans ce temps-là. Tu sais, je m'excuse, hein, moi, ça me prouve juste que t'es un lâche, monsieur. C'est vrai, t'es toujours un lâche, tu te protèges tout le temps. Tu te protèges tout le temps, t'as juste peur de perdre. T'as juste peur de perdre. Sont tous comme ça les Japonais. Les Japonais, eux autres, sont trop défensifs. Puis, ils osent même pas tirer sur le joueur qui est au loin en avant. Qu'il y a juste un item. Un item. T'as trois carapaces rouges, tu ne tires même pas deux fois dessus. Pour l'arrêter. Afin de le rattraper après. Non, pas pantoute, tu le laisses à l'air libre. Au loin. T'aurais facilement le rattraper. On aurait tous eu chacun notre chance d'avoir la première place. Maintenant, t'es trop égoïste, fait que tu décides de conserver ta deuxième place. Je pense que t'aurais fait la même chose si t'aurais été quatrième ou sixième. Mais d'un coup, quelqu'un a pogné l'étoile et te fonce dedans, ben, c'est toi qui a l'air fin après. Vous ne montrez pas tous les jours de jeu parce que, genre, ça revient toujours au même. Comme je vous dis. Toujours un qui est toujours comme Gay Gamer, il est toujours après moi. Voilà, ici, c'est Nécrozeur, ici. Qui va me foncer dedans avec sa carapace rouge. À toute fin, alors que j'ai absolument rien. Puis que lui, il peut même dépasser facilement. Puis essayer de peut-être obtenir une place de plus au lieu de me faire ça. Et dire que il est canadien comme moi, il est canadien, c'est ça le pays. Tandis que là, les Japonais jouent tout ensemble ensemble pour gagner ensemble. Moi, je trouve que c'est pas juste. Chanceux là, j'ai commencé sur ça. C'était pas voulu. Avez-vous vu? Pièce. En troisième place, ben oui. Hein, pas le choix. Donc, que vous voyez. Avez-vous remarqué quelque chose? Avez-vous vu lui, il est encore là avec sa banane? Qu'est-ce qu'il fout avec sa banane? C'est vrai, regarde, il se protège pas, ce joueur-là, il se bat pas. C'est ça que j'aime pas. Il se bat pas, ce gars-là. Il se bat pas pantoute. Je vois avec sa banane, il fait rien. Ouais, je pense qu'il m'aurait pas fait. Parce que c'est sérieux, sinon là, je lui aurais dit. Parce que moi, je trouve ça tannant, quelqu'un qui arrête pas tout le temps de toujours venir me visiter, à un moment donné, c'est tannant. C'est rare que j'ai des opportunités comme celui-ci.
pense qu'il est trop attendu. Ouais, une chance que ça va pas. C'est juste. Hein. Bon, là, on va le voler en deuxième place. Ok, à la place, bon, je m'essaye. D'après moi, il doit avoir encore sa banane. Mais sauf que je trouve ma chanson encore une fois. Comme d'habitude, vous voyez, qu'est-ce qui arrive souvent quand je suis en deuxième place? Ben, quelqu'un obtient ça. Hein? Tout le temps. Tout le temps, c'est pour ça que mes articles sont tout le temps bons, tout le temps de cette malchance-là. Ça arrive continuellement. Le seul moment où je suis chanceux, c'est quand, genre, exemple, j'obtiens un 8 puis qu'un éclair arrive en même temps. Genre. Ou bien, genre, un champion doré, je finis 3e. Genre, une extrémiste. Tout le temps, ça qui arrive, je peux jamais être stable. Dès que je rattrape le peloton, il faut toujours que je recommence une 2e, une 3e, même 4 fois, même 5 fois. Puis je finis toujours en arrière au bout du compte. Parce que je trouve ma chance dans les items, puis en plus de ça, regardez, juste si vous avez vu, vous allez quand même me foncer dedans. J'ai juste un champignon, écoute, là, j'ai juste un champignon. Tandis que l'autre, il y a un trip. Tu sais, puis t'as me foncer dedans. Tu sais, là, écoute, là. Tu trouves pas que t'en as fait assez, là? T'aurais pu au moins essayer contre le trip champignon. Pourquoi, selon vous, ok, avec un trip carapace verte, ok, j'en lance un sur un joueur, puis il réussit pas à me doubler à part après, avec son trip champignon? Parce que je sais bien viser. Et que j'atteins la cible. Et pourquoi tu fais pas la même chose? T'aurais pu gagner une place de plus au lieu de me foncer dedans comme un fou. C'est juste un champignon, écoute, juste un champignon. Juste un champignon, tu peux être au moins avoir de l'empathie pour moi, je sais pas là. C'est vrai? Puis regarde, tu finis dernier. Pour moi que tout le monde avait des champions, mais écoute, t'aurais pu gagner au moins une place de plus pour sauver un peu plus les meufs au lieu de me foncer dedans. C'est vrai. Moi je l'aurais vu, t'aurais une carapace rouge, j'aurais pas pu m'avancer plus. Je t'aurais laissé tirer sur l'autre joueur en avant. Donc, je demanderais à ces joueurs-là, s'il vous plaît, okay, d'arrêter d'ambitionner sur moi. Surtout dans des moments critiques comme ça. Est-ce que vous pouvez arrêter de me faire ces coups-là? Non, écoute, je vous fais absolument rien. J'ai rien pour me défendre. Vous pouvez être au moins empathique, s'il vous plaît, là, puis arrêter d'ambitionner sur moi. Crème, arrêter de me prendre comme type facile. Tu sais, je sais pas passer à côté, puis il n'y aura pas de problème. Vous n'êtes pas capable de faire ça? Écoutez, moi là, je fais vraiment des efforts. Comme vous voyez ici, je fais vraiment des efforts pour tenter l'impossible, pour essayer d'avoir une meilleure statistique. Mais il y a toujours des cons comme un écrosant qui s'en va tout gâcher le party. Ou bien d'autres joueurs comme des japonais. Je pense juste à eux. Écoutez, au lieu de focuser sur moi, focuser donc sur ce qui se passe en avant. Après ça, on verra. Bon, ben, on changera d'autre pour la suite.